Bonjour à tous et à toutes. Je suis Alucio et nous entrons pour un nouveau fan game Pokémon Hyrule Secrets. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Je n'en ai aucune idée. Je pensais, quand j'avais vu le titre et la description, que c'était un genre de Zelda-like avec les protagonistes remplacés par des Pokémon. Mais en jouant juste 30 secondes pour le réglage son, il y avait l'introduction des Pokémon basiques. Donc, allons-y. Oui, ça fait assez mal aux oreilles, je le conçois. Je vais juste régler vite fait tout ce qu'il y a. C'est bon. Allons-y pour une nouvelle partie. En espérant que mon anglais ne soit pas approximatif. Alors, veuillez vous référer au Pokémon Social Wiki pour de la documentation. Ok, si tu veux. Oh, bonjour! Ah, je suis désolé de vous avoir fait attendre! Bienvenue dans le monde des Pokémon! Mon nom est Oak. People, merde, people, oui! Les gens m'appellent comme... Ah, j'arrive pas à parler. Les gens m'appellent le professeur Pokémon. Si vous avez besoin d'aide, je suis sans doute capable de te le donner. Donc, les contrôles. Alors, les flèches directionnelles pour le caractère, c'est pour configurer un choix, donc c'est CXZ, d'accord. Les exit, hold down et F5 pour enregistrer une clé d'item. Je ne sais pas ce que ça va faire, donc c'est CXZ. Juste le temps de noter ça sur un petit bout de papier de manière à ce que je ne me trompe pas. Donc c'est la touche A, donc. X c'est la touche B, Z c'est pour courir, c'est complètement con, donc c'est aussi B pour courir, et F5 je n'en ai aucune idée. Bien, merci le professeur Oak. Alors blablabla, alors parlons de l'aventure. Alors ok, j'ai pas compris. Alors, vous allez entrer dans un monde qui va vous embarquer dans une grande aventure, de votre très... Oh, je sais pas ce que c'est. Le peuple, alors, parlez aux gens et checkez les choses dans les villes, dans les routes, dans les caves, vos informations. Ok. Ok. Ouais, donc en fait c'est les règles basiques de Pokémon, scruter chaque endroit, attraper, battre des Pokémon, etc. Donc ça, je pense que tout le monde a compris. Alors voilà. Ce monde est habité par des créatures que l'on appelle les Pokémon. Les gens et les Pokémon vivent ensemble et se supportent. Certaines personnes jouent avec les Pokémon, d'autres se battent avec eux. Mais je ne t'ai juste... Ah non. Mais nous ne savons pas tout des Pokémon. C'est pour ces mystères doivent être résolus. Ces nombreux mystères doivent être résolus. C'est pourquoi j'étudie les Pokémon chaque jour. Es-tu un garçon ou une fille? Un garçon, jusque là. Mais maintenant, dis-moi, quel est ton nom? Bon, vu que ça va être une partie un petit peu poubelle, je vais mettre mon nom. Alors, voilà. Ah d'accord, F5 Key, c'est ça. Ok, donc c'est Select. Très bien. Si tu veux, ça me sert à rien. J'aurais sans doute pas parce que Pokémon, c'est pas mon trip. Merde. Z. Ok. C'est ok. Donc ton nom est Rylou. Donc ton nom est Rylus. Oui. Rylus, es-tu prêt? Ta véritable histoire Pokémon est prête à commencer. Tu vas faire face à de nombreux moments de challenge, de fun. Un monde un monde de rêves et d'aventures t'attend dans... j'arrive pas à le faire. Un monde de rêves et d'aventures avec les Pokémon t'attend. Let's go!
en jouant le starter kit, tu vas avoir des crédits. Bon, je ça, j'ai pas compris. En jouant. Oh oui. Comment vous dire? Pokémon Diamant Perle Platine, voilà. Donc, Reyus, boot le PC. Qu'est-ce que tu veux? Les items, parce que on sait toujours qu'il y a une potion dans les items. On le saura toujours. Toujours faire ça. Je peux pas courir. Ok, ma touche start est sur X. Je peux pas courir. Non, je peux pas courir, c'est vrai. Ah, c'est mon moment. Deux yeux, ils ont réussi à foutre des photos. Oh putain! Ça parle portugais, je ne traduirai pas. Bon, alors en gros, hola Reyus. Le professeur, je te cherche. Il est déjà venu. Machin. Je reçois le. J'ai reçu un truc. Le Pokégear. Qui est. Ah, c'est un Pokénav en fait. Ouais, c'est une putain de carte. J'ai un jukebox. Oh, il y a une référence là-dedans. Attendez. Attendez, ça me dit quelque chose au début. Si je dis pas de conneries, mais ça m'étonnerait. Le début m'a fait penser à Kid Icarus. Ok. Ah, vous vous en souvenez de cette musique? Et moi aussi, hélas. Yes. Ouah. Wait. Ouais. Une seconde. Mais c'est Kingdom Hearts. On est complètement d'accord. Attendez, attendez. Donkey Kong. Ok, ce jeu est truffé de secrets, de références, meilleur fan game Pokémon du monde. Ouais bon, je ne vous cache pas que j'en ai marre. Donc juste. Donc en fait j'ai un putain d'iPod. Je vous invite à y jouer juste pour me dire toutes les références cachées juste dans le jukebox. En ce cas je viens de faire au moins 4 minutes de jukebox. Ah ça a changé. Ça a beaucoup changé. C'est beau. Je suis assez impressionné par le travail qui est fait. Oh, tu es là. Prenons qu'un de ces rares Pokémon. D'accord. Alors, soit tu as choisi Snivy. What? Nope. Snivy. Snivy, Tepig. Oula, attendez. Ah, c'est les noms anglais. Oh, chaud. Je vais prendre celui-là de Water. Alors, attendez. Je prends celui-là. Oshawott. Non. Ah, tu as fait ton choix. Oshawott, un excellent choix, même si je ne sais pas ce que ça veut dire. Si j'avais un petit-fils, il aurait plus un problème choisi un Pokémon maintenant. Oh, cette... Oh, ce joke. Oh, ce joke. Ah, ce type, le whisky cramé, machin. Ah!
Bon, bah j'ai pris un whisky cram. Ah, 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 vous voyez des choses? Vous voyez des choses? Vous n'avez rien vu. Petite ellipse parce que un petit problème est survenu, mais rien de grave. J'ai fait de la merde. Voilà. Wait, où en étais-je? Donc, oui, c'était Tortipus, Mysticram, Tibluf. C'est bon, je m'en souviens. Bon, bah, je me casse. Je sais pas. Attends que Bill revient. J'ai vu Bill. Attends. Tu dois te battre avec ton Pokémon pour le rendre plus fort. Si tu m'enregistres dans le Pokégear, je pourrais t'appeler quand je voudrais pour te dire que quand ton Pokédex est complet. C'est dans un putain de Pokénav. S'il te plaît, laisse-moi t'apprendre comment on fait. Non. Mais fous-moi la paix. Non, ah, je t'emmerde. Ok. Bonjour Ailu, je vois que tu m'appelles, je suis à 2 mètres connard. Reviens me voir et parle-moi, clic. Ouais. J'ai pété le jeu. J'ai complètement pété le jeu, c'est officiel. Parce que là, il se passe des choses. Peut-être que je dois parler à Bill. Ah, et c'est lui, Bill. Je crée des systèmes de storage de Pokémon, ouais. C'est très intéressant, n'est-ce pas? Fallait parler à Bill. Je t'emmerde le jeu, d'accord? Je t'aime pas. Allez, je me barre. D'accord, donc en fait, c'est un jeu extrêmement dirigiste. Parce que là, il me dit, reviens voir le Pokédex. Reviens au laboratoire pour prendre un Pokédex. Bon, ce jeu, il est sympa, certes, mais voilà. Je vais prendre le Pokédex, je me barre. C'est bon, j'ai tout, je peux me casser. Merci. Donc là ça fait à peu près 13 minutes que j'y joue. Qu'est-ce que j'en pense? Il y a des bons points, il y a des mauvais points. C'est en anglais, portugais, c'est mélangé. Mais bon, au moins c'est intéressant, il y a un concept et tout. Même les routes s'appellent... même les routes sont... Oula. Ouais. Bon. Un combat apparaît et c'est un Miradar. Très bien. Ok, système de combat. Tac, loup, mimique. Balayette. Un coup critique. Génial. Ah, j'aime ça. Ah, c'est génial. Je crois qu'il y a un problème sur le son parce que là mon casque il est à un de volume et ça me bousille les oreilles. Bon, il y a des palmiers, d'après ce que je vois. Mais ne serait-ce pas le rival? Ah c'est génial, bonjour Raelus, je suis ton rival. Est-ce que tu veux me donner un aim ou bien... Oh, il y a des références géniales en fait. Veux-tu me choisir un nom ou bien je vais prendre le nom par défaut qui est défini dans le trainer.txt? Cancel. C'est parti pour la bataille! Ready for the battle! Blue! Normalement c'est Régis. Mais quel Pokémon a-t-il choisi? Un Vipelier. White.
Wait. Choc des cultures, effectivement, Jamy. Je te tacle. Bon, si je meurs, c'est pas grave. Tac dans tes dents. Il y a un choc des cultures. Alors attendez, Vipélière. Vipélière, c'est la... Ah, je sens que je vais me tromper. C'est la cinquième génération. Attendez. 2, 3... Oui, je dirais que c'est la cinquième génération de Vipélière. Ah bah j'ai le level up. 500 de thunes. Je m'en vais maintenant. Rencontrons-nous plus tard. En fait, il y a de l'auto-dérision. Ce jeu, c'est une bonne dose d'humour si vous comprenez l'anglais. Ça, par contre, il y a peut-être aussi. Il y a peut-être aussi un jeu de mots sur sur le nom des villes, mais. Bon, parlons aux personnages et essayons de traduire ce qu'ils veulent. J'ai reçu un Pokémon. Quoi? Ah ouais, comme ça. J'ai un Pokémon. Voilà, tiens. Tiens, j'ai un Pokémon, vas-y, prends-le. Bon, bah, pas besoin d'attraper un Pokémon en fait. Je sais pas si c'est autorisé dans les lois sacrées et officielles de Pokémon. Pokémon, mais bon. On m'a donné. Alors. Putain, ils parlent tous en anglais. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, là c'est le shop. Je vais essayer de parler à des gens. Alors, c'est peut-être drôle. Il y a peut-être des références comiques, mais je les vois pas. C'est vide. Bordel, c'est vide. Je sens que je vais devenir sourd avant la fin de cette vidéo. Ça va être génial. Bon, bah, alors, je peux pas dire grand chose dessus. Alors, comment vous dire? Camtasia vient de me troll. Camtasia m'a trollé. En gros, bah, il s'est arrêté de suite. J'ai failli perdre l'enregistrement. Mais je l'ai. Je m'étais arrêté sur, oui, la référence des deux camions. Qui étaient dans les. Qui était au début du jeu de... Alors je crois que c'était Ruby Saphir et Emeraude. Et j'en m'en étais allé au nord, ouais. Donc là, vous voyez, je vais au nord. D'accord. Si tu le dis, je... What? Ah, je dois aller au Pokémon Market. Ok. Je me disais aussi un jeu Pokémon sans passer par le magasin, c'est un petit peu. Je sais pas trop. Alors, je ne comprends pas ce que tu dis. Je ne comprends toujours pas ce que tu dis. Je laisse tomber. Des Pokébolas. Tu viens de changer de langue. Des Pokéballs. Non, 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 merde. Dégage. Ce jeu est putain de dirigiste. Je crois que, en fait... Je vais essayer de me faire un verdict et je vous le dirai, en fait. Mais ça... Là, pour l'instant, c'est assez mitigé. C'est vraiment mitigé, je sais. Il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés, il y a plein de choses. Il est bien comme il est mauvais. En même temps, c'est un fun game, je peux comprendre qu'il y a encore des choses à améliorer. Mais voilà. Ai-je des bolas?
t'es pas sérieux là. Attends. Je cherche potion. D'accord. Bon alors, je vais faire mon verdict maintenant parce que je sais pas. Pokémon Hyrule Secret. C'est un bon jeu. Pour plusieurs raisons. Il y a de l'humour. Il y a pas mal de références au jeu Pokémon officiel. Il est bien. On rencontre sans doute tous les Pokémon, j'ai pas vérifié, du moins j'espère jusqu'à la 5ème génération. Cependant, il y a des points négatifs comme le fait que vous êtes dirigé, c'est-à-dire que si vous voulez sortir d'une zone, en fait, soit vous sortez de la zone, vous avez fini tout ce qu'il y a à faire, soit il y a un message qui vous dit, en portugais évidemment, ce que vous devez faire. Et c'est là le problème parce que des fois vous ne savez pas ce qu'il faut faire. Ça me déçoit un petit peu. Mais dans l'ensemble, il y a aussi pas mal de d'Easter eggs, notamment le jukebox en début de vidéo. Voilà. Bon, si vous voulez vous faire une idée du jeu, bah, je mettrai comme d'habitude dans la description le lien RomStation pour le télécharger. Je rappelle que RomStation est évidemment gratuit. Donc vous téléchargez RomStation, vous cherchez Pokémon Hyrule Secret, vous le téléchargez, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo fan game sur Pokémon Hyrule Secret. Merci de l'avoir suivi en ma compagnie. Je m'excuse cependant pour les petits problèmes que j'ai eu. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, d'aller regarder les autres vidéos si c'est la première que vous voyez, de me suivre sur Twitter @reus1 où je mettrai assez souvent ce qui va sortir, mais c'est très très rare dans cette la période où je suis. Heureusement c'est temporaire. De liker la vidéo et de bien sûr laisser un commentaire. Sur ce, je vous souhaite un bon jeu et je vous dis à la prochaine.